Tu aimes regarder des vidéos de comparaison drôles? Tu es alors au bon endroit. Nous avons préparé pour toi quelques superbes challenges gourmands. Qu'est-ce que tu dis, Kira? Tu veux qu'on échange avant de regarder? Bien sûr, pourquoi pas? Bon courage! Oh non, c'est ma faute aussi! Poivron gélifié, ça commence bien! Ouh! Félicitations, Kira! Salut les enfants, je vous ai manqué? Tu ne veux pas réchanger? Ah non, pas du tout, Jess! Bon appétit! Je pense que je vais le manger très vite. Et cela ne va pas piquer autant. Et moi, je vais savourer. Oh non, c'était une erreur. Oups, au secours, Jessica. Tu me demandes de l'aide? Aidez-moi, ça me brûle la bouche. Appelez les pompiers, il faut agir vite. Oh, regarde du coca. Bonne idée, moi d'abord. Dépêche-toi, c'est mon tour. Arrête, c'est à moi. En fait, ça n'aide pas vraiment. Il faut essayer autre chose. Ah, le jus n'aide pas non plus. Encore une gorgée, je vais chercher la glace au congèle. Attends, moi aussi. C'était chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a encore au programme? Waouh, j'ai un verre en gelée. Ah, juste des spaghettis, c'est nul. J'en ai jamais vu de si grand. Une bonne petite chenille pour toi. Et le verre ne te va pas. Bon, salut le sucre et adieu le régime. Je le savais. Pas mal. On commence. Waouh, c'est un anaconda en gelée. Tu ne veux pas partager? J'aimerais bien l'échanger contre les pâtes. Non merci Jess, je veux le manger en entier. Viens ici mon précieux. Ah, c'est juste trop bon. Je suis aux cieux et je ne descends pas d'ici. Tu n'as pas besoin de place supplémentaire. Appelle-moi désormais Kira, tueuse de vers gélifiés. Oh non, je pense qu'on l'a perdu. Tu sais, le mien était mieux que ce que je pensais. Je vais même en reprendre un peu. Oublie ce que j'ai dit, j'aurai besoin de ton aide ici. Alors, on continue notre duel culinaire? Avec plaisir, en garde! Bon, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner aujourd'hui? Pas ce que j'espérais au moins. Oui, des œufs cassés au jambon, mon plat préféré. Le mien aussi, mais bon, je dois prendre ce qui est en face de moi. Cela aurait pu être pire, non? Mais ça sent bon en tout cas. Mais c'est ridicule, je peux oublier mes bonnes manières de table. Tous les bonbons du monde ne peuvent pas remplacer les œufs au jambon. Tu as parfaitement raison, Kira. Une bonne dose de sucre te remplit d'énergie pour un moment, mais avec ça, je vais rester en forme toute la matinée. Les bonbons gélifiés sont les meilleurs, mais parfois, il faut un peu de magnifique jambon salé quand même. Et rien dans le monde ne pourra le substituer. Fini jusqu'aux dernières miettes. Ah, je vois bien. Tu as quelque chose ici. On continue. Oh non, tout sauf ça. Ouh, la chance, des bonbons citron gelés. Je sens que ça va être trop bon. Pour toi, oui. Je suis prête. Par où commencer? J'en ai aucune idée. Oh, j'ai une merveilleuse idée. Qu'est-ce qui fait tout encore mieux? Bien sûr, la Nutella. Je suis un génie. Je le savais. Vous pouvez me remercier après avoir goûté ça. C'est comme une explosion d'étoiles dans ma bouche. Je devrais être un chef gastronomique. Comment je ne le remarquais pas avant? Citron et Nutella? J'en suis pas sûre. Mais c'est toujours mieux que ce que j'ai moi. Bon, il ne faut pas penser au fait que c'est amer. Tu ne veux pas prendre un peu de Nutella? Je sais que tu veux, vas-y. Oui, je suis prête à tout si ça marche.
Tu sais quoi? Waouh! Je ne pensais pas aimer ça, mais j'aime bien. C'est vraiment un miracle. Je t'en prie. Mesdames et messieurs, la Nutella, ça sauve tout. Combat à mort. Celle qui gagne aura tous les bonbons. Hurrah! J'ai gagné. Venez ici, mes petits. Hot dog sucré? C'est nul, j'ai triomphé trop tôt. Il faut faire sans que rien n'y paraisse. J'ai quand même gagné. Oui, du pain bien chaud. Des saucisses plein de moutarde et de ketchup. Tout comme j'aime. Bon, moi au moins j'ai une petite portion. Je vais la manger vite. Et je vais faire des hot dogs ce soir pour le dîner. C'est déjà ça. Quoique j'en veux un tout de suite, moi. Pauvre Jessica. T'en veux un peu? Oui, j'en veux. Oups, raté. Désolée, encore raté. Très drôle, Kira. Les blagues à part, je ne partage pas. C'est l'heure de détendre le jean et manger mes hot dogs. Quoi qu'on en dise, parfois la vie est vraiment belle. Ah oui, désolée, je ne te dérange pas. Tu es jalouse? Je me demande lequel est meilleur. Celui de gauche ou de droite? Je suis perdue. Ils sont trop bons tous les deux. Pourquoi on ne peut pas manger tout ce qu'on veut? J'aurais aimé en manger toute la nuit. Tu ne veux pas le partager avec moi un petit peu? Non, je ne pense pas, non. Si je meurs de faim, tu seras coupable. D'accord, d'accord. Tu peux prendre le dernier morceau. C'est vrai? Tu es folle? Bien sûr que c'est une blague. Je ne sais pas si je pourrais te faire confiance de nouveau. Alors, pierre, feuille, ciseaux, allez! J'adore gagner. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Des araignées gélifiées? Regarde comme elles sont mignonnes, Kira! Et de belles couleurs en plus. Ah, par contre, pas si facile à mâcher. Un peu bizarre, mais très bon. C'est ton tour, Kira! Je suis vraiment terrifiée de regarder. Je peux seulement imaginer des choses horribles qui peuvent être là. Oh mon Dieu! Jessica, c'est une tarentule! Alors, bon appétit! Ah non, je pense pas. Tu as déjà mangé les tiennes? Tu n'as même pas pensé à en laisser une pour moi? Non, ce n'est pas comestible, j'ai rien alors. Désolée pour toi. Oui, oui, je l'entends. Et le plat suivant, c'est... des poissons! Une de nous deux en aura en gelée. Et l'autre aura des sardines. Elles n'ont pas l'air très fraîches. Bon courage, Jess. Moi, je pars en croisière gustative. Pas mal, non? Oh oui, trop bon! Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce challenge déjà? Oh, quelle odeur! Bon, j'étais ravie de te connaître. Adieu! Kira, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Désolée, Jess, je ne peux rien faire pour toi. Je ne crois pas que quelqu'un puisse manger ça. J'ai goûté un peu, ça suffit pour moi. Kira, s'il te plaît, je peux en prendre un. J'ai besoin de couper ce goût par quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? On le laisse au hasard? Absolument, Jessica. On mélange bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise! N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et liker cette vidéo. Revenons à nos moutons, Kira. Il faut choisir le meilleur. Pizza gélifiée? Ou une vraie pizza qui sort du four? Je pense que la réponse est assez évidente, mais il faut tester avant de le dire. Oui, mais non. Une friandise ne peut pas être meilleure qu'une bonne pizza au fromage. Et tu as raison. Comment je voudrais être à ta place? Alors, tu partages avec moi cette fois-ci? Bien sûr, pas de problème. Merci, chérie. La meilleure façon de finir notre challenge. Bon appétit, les filles. Ce challenge est bien réussi.